Contre une immigration jetable, c'était l'un des slogans scandés aujourd'hui dans les rues de Marseille, une manifestation nationale déclinée dans les principales villes françaises, un rassemblement pour critiquer la politique d'immigration du gouvernement, et ce, 24 heures après la mort d'un Malien en situation irrégulière qui s'est jeté dans la Marne pour échapper à un contrôle de police. Le Parti socialiste parle de climat de terreur, les manifestants marchaient sur la même ligne cet après-midi. Le reportage. Pour dénoncer une politique d'immigration qualifiée de jetable, près de 500 personnes se sont réunies cet après-midi à Marseille d'après la police, 1500 selon les organisateurs. Des manifestants venus à l'appel d'une quarantaine d'associations et de partis, parmi lesquels la Ligue des droits de l'homme, la CGT, le collectif sans papier, la LCR ou encore le réseau Éducation sans frontières. Pour tous ces militants, un seul mot d'ordre, stoppez net la chasse aux étrangers. Nous demandons la régularisation de tous les sans-papiers. Bon, ça peut paraître extrême, mais en réalité, ça serait très peu de monde. On sait très bien que dans tous les cas, la France a besoin d'accueillir des travailleurs immigrés, qu'elle en fera venir, que le seul objectif de cette politique, c'est de terroriser les gens, de les laisser en situation précaire et irrégulière, et de faire qu'ils soient exploités au noir, et c'est tout. Et en fait, ça ne serait pas du tout une invasion ni rien de ce genre. Il n'y a pas de flux de population tel qu'on ne puisse pas accueillir tout le monde. C'est la loi qu'il faut changer. C'est pas les immigrés qu'il faut virer. Les manifestants ont achevé leur défilé aux portes de la préfecture devant laquelle les forces de l'ordre étaient déployées en nombre. Une démonstration de force en quelque sorte, dans un contexte national particulièrement tendu en matière de politique d'immigration.